Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers parents, chers adolescents, chers enfants, nous sommes sur la plateforme Lumière islamique de l'Institution islamique sociale. Nous sommes dans la deuxième partie de la biographie de Fatimata Zahra, paix sur elle, la fille de notre cher prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille. Nous vous demandons de suivre la vidéo, de la partager et surtout, regardez-la jusqu'au bout. Vous serez éblouis par cette grande dame, paix sur elle. Merci. Malheureusement, il n'y a pas assez d'informations sur l'enfance de Fatima. D'après les sources, elle passa 3 années de son enfance dans la vallée d'Abu Talib, où le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille et ses compagnons, furent encerclés par les polythéistes de la Mecque. Aussi, c'est rapporté que lors de son enfance, Fatima perdit sa mère, Khadija, paix sur elle, et l'oncle de son père, Abu Talib, à savoir les 2 soutiens très importants de son père. L'événement le plus important de l'enfance de Fatima fut la décision des polythéistes de l'assassinat du prophète et la migration de ce dernier et sa famille à Médine. L'imam Sadiq, paix sur lui, dit « Fatima a 9 prénoms auprès de Dieu, gloire à lui. Fatima, Sadiqa, la véridique, Mubaraka, la bénie, Tahira, la pure, Zakiya, la purifiée, Radiya, la satisfaite, Mardiya, l'agréée, Muhaditha, l'éloquente, Zahra, la lumineuse. » L'imam Reda, paix sur lui, dit, d'après ses aïeux, les ancêtres, paix sur eux. Le prophète de Dieu dit, « Ô Ali, sais-tu pourquoi elle a été prénommée Fatima ?» L'imam Ali, paix sur lui, dit, « Pourquoi ?» Le prophète dit, « Parce qu'elle a été préservée du feu, elle et ses partisans. » L'imam Sadiq dit, « Connaissez-vous l'explication du prénom Fatima ?» Je dis, « Explique-nous, ô maître. » L'imam Sadiq dit, « Elle a été préservée du mal. Si le commandeur des croyants, l'imam Ali, ne l'avait pas épousée, il n'y aurait eu aucun homme digne de l'épouser sur la terre de Adam, paix sur lui, jusqu'au jour de la résurrection. » Un jour, l'imam Sadiq, paix sur lui, demanda à l'un des compagnons qui venait d'avoir une fille, « Comment l'as-tu prénommée ?» Le compagnon dit, « Je l'ai appelée Fatima. » L'imam Sadiq, paix sur lui, dit, « Fatima, que la paix de Dieu soit sur Fatima. Puisque tu l'as appelée ainsi, alors ne la gifle point, ne l'insulte point et honore-la. » L'imam Kazim, paix sur lui, dit, « La pauvreté n'entre jamais dans une maison où il y a les prénoms Mohammed et Fatima. Elle était véridique, parfaite dans les paroles qui traduisent les actes, les comportements, le bon, véridique dans ses convictions. Nul mensonge ne sortait de sa bouche. Elle adoptait tout ce que Dieu ordonnait. Il est dit que l'abondance est Fatima Tazahra, la véridique. Dans l'interprétation de la sourate Al-Kawfa, l'abondance, c'est une nombreuse progéniture. On dit aussi que Kawfa sont les enfants du prophète de Dieu, car ce verset béni est descendu en réponse aux personnes qui lui reprochèrent de ne point avoir d'enfants mâles. Un jour, après la mort de l'un des garçons de notre prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, un fidèle se moquait de lui, lui dit, « Mohammed est amputé de sa progéniture. S'il meurt, il ne lui restera aucun successeur mâle. »
Dieu, gloire à lui, descendit cette sourate Al-Kawtha comme pour dire au prophète, si ton garçon est mort, nous t'avons donné Fatima. Même si elle est ta seule enfant, Dieu honorera cette unité par une nombreuse progéniture. Dieu le Très-Haut a purifié Fatima des menstrues, règles, de toute souillure, de toute infamie et de toute abjection, dépravation. La souillure est tout ce qui peut salir ou entacher la nature de l'homme. Tout ce que Satan, le lapidé, ordonne, suggère de faire et qui encourt le châtiment. Tout ce qui territ la réputation de quelqu'un et permet de commettre les péchés. Fatima était vertueuse. Elle était chaste. Fatima était satisfaite de ce que Dieu lui prescrit comme épreuve et malheur dans sa courte vie. Elle a vécu beaucoup de malheurs, de l'adversité et de très dures épreuves qui ont déferlé et jalonné sa vie depuis son enfance, depuis son plus jeune âge, jusqu'à ce qu'elle ait quitté le monde alors qu'elle était au printemps de sa vie. Le prophète dit, « Ma Fatima est la maîtresse des mondes, des premières jusqu'aux dernières. Elle est une partie de moi, la lumière de mes yeux, le fruit de mon cœur, mon âme qui est entre mes cœurs. » Lorsque Fatima se lève face à Dieu, sa lumière brille pour les anges des cieux comme brille la lumière des étoiles pour les habitants de la terre. Fatima a ouvert les yeux à la vie sur le visage de son père, le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, en s'allaitant du maternel de Khadija, paix sur elle, d'un lait rempli de vertu et de perfection. Elle a grandi harmonieusement dans la maison de l'inspiration divine, lui enseignant les meilleures leçons sur l'unicité, la foi, ainsi que les plus belles réalités de l'islam. Il lui a inculqué une éducation parfaite et exemplaire, car il a constaté dans l'âme pure et sublime de sa fille une spiritualité et une lumière la prédisposant à gravir les degrés de la perfection. Fatima, à l'âge de 7 ans ou 8 ans, un terrible malheur frappa sa vie, remplissant son jeune cœur de douleur et de chagrin. Le décès de la mère Khadija, sa mort fut un coup très dur pour le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, d'autant plus dur qu'elle fut suivie de près par le décès de son oncle protecteur Abu Talib. Le prophète fut très affligé, triste par ces deux pertes durant cette année qu'on l'appelait l'année de la tristesse. Pendant les batailles, Fatima avait toujours peur pour son quand il était blessé, se précipiter pour s'occuper de ses blessures. Elle prenait soin de son père. Cette fille bonne, son père, connaissait si bien ses droits. Le prophète Mohammed la couvrait de tout son amour, de toute sa tendresse et l'entourait de beaucoup d'attention. Tellement soin de son père, tellement qu'elle prenait soin de son père qu'on l'appelait aussi la mère de son père, car elle était toujours avec son père. Elle essayait toujours de le défendre, tout comme une mère qui a ce type de comportement envers son enfant. Et c'est le prophète lui-même qui lui a donné ce noble prénom. Vous savez qu'il y a eu un temps à l'époque du prophète où les Arabes n'aimaient pas avoir des filles à la naissance. Les Arabes, dès qu'ils avaient des filles, cela assombrissait leur visage et beaucoup même de filles étaient enterrées vivantes. Les Arabes ne voulaient que des naissances de garçons,
le prophète a pu changer cette tradition horrible avec la naissance de sa fille chérie en montrant son amour pour sa fille. Cette fille qui ressemblait énormément au prophète, aussi bien physiquement que dans son caractère. Si Dieu lui a donné une ressemblance aussi forte, c'est qu'elle devait avoir un destin important. Fatima a soutenu son père, enfant, jeune, et jusqu'à sa mort. Au moment où elle a accepté l'islam, elle était la plus jeune des musulmanes. Fatima ressemblait au prophète dans sa façon de bien traiter avec les gens, dans sa démarche, dans son caractère, dans son honnêteté, dans sa modestie. Dès que Fatima venait chez son père, le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, il se levait et l'embrassait et lui donnait sa place. Et quand il allait chez elle, elle faisait exactement pareil pour lui. Fatima a appris très jeune la pratique, le zikr et la spiritualité. Fatima Tazara est un modèle féminin à suivre pour toutes les femmes musulmanes sur tous les plans. Comme elle était très jeune, elle le suivait partout et voyait tout ce qui lui arrivait. Des gens qui aimaient son père et sa mère se sont transformés en ennemis après l'annonce de la révélation. Les épreuves de ce genre font grandir les enfants et ils deviennent vite responsables s'ils ont une famille qui les soutient et un bon mental. Quand Fatima a affronté ces épreuves, elle était jeune, très sensible, mais elle était bien entourée et cela l'a rendue forte. On constate qu'à chaque fois que le prophète se trouvait dans une situation préjudiciable, Fatima était systématiquement là pour l'aider. Son temps n'était pas là à Fatima de jouer avec les filles de son âge, mais plutôt à s'occuper de son père. Puis la tribu était devenue leur ennemi. Elle avait des sentiments qui se mélangeaient dans son cœur. Elle voyait son père, qui était connu comme étant le véridique et digne de confiance, Al-Amin, être frappé et blessé. Elle a vécu la torture et l'oppression. Elle grandissait et essayait de rester le plus possible avec son père. Un jour, Fatima a entendu les gens comploter. Elle a eu l'impression que c'était pour quelque chose de beaucoup plus grave. Elle a alors rejoindre son père. Elle l'a serré dans ses bras. Elle l'a serré si fort et lui a raconté ce qu'elle avait entendu. Il lui a répondu, « Ne t'inquiète pas, Dieu ne les laissera pas faire. » Il lui a dit, « Viens, ma fille. » Et ils sont sortis main dans la main. Ils ont retrouvé les gens qui complotaient et le prophète a invoqué Allah. Il a prié. Quand ils l'ont vu prier, ils ont été saisis par son aura. Il a terminé et il est rentré. Fatima a vu que la présence de son père les avait arrêtés et qu'Allah protège son prophète. Cela fait partie de l'héritage prophétique. Il a donné à Fatima la démonstration qu'il était protégé par Dieu et elle s'est sentie tranquille après cela. Quand elle sortait de la maison, Fatima trouvait des bouts de bois épineux et des ordures laissées par Jamil, l'épouse d'Abu Lahab, qui obstruait la porte. Elle voyait son père patienter et rester calme. Elle a appris de cet exemple vivant la rahma, même vis-à-vis des gens haineux. Elle a observé, elle lui a enseigné sa façon de se comporter et elle est devenue aussi rahma. Quand Fatima atteint l'âge de se marier, elle était d'une maturité physique, d'une raison, d'une droiture précoce, d'une intelligence indescriptible, d'un esprit prompt. Il nous apparaît clairement qu'elle est la femme la plus cultivée qu'ait connue le monde. L'histoire de l'humanité n'a jamais connu
et ne connaîtra jamais une femme ayant sa culture, sa science, sa littérature. Il est à noter que Fatima n'a fréquenté ni école, ni université, mis à part ce que le prophète lui enseigna par sa prophétie et son inspiration. Certains partisans et compagnons demandèrent la main de Fatima au prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille. Mais le prophète disait toujours gentiment et poliment, j'attends la décision de Dieu le Très-Haut. L'imam Ali, paix sur lui, se présenta devant le prophète et lui demanda la main de sa fille Fatima. Cette demande, elle avait ravi le prophète qui l'attendait impatiemment. Il demande à l'imam Ali de patienter le temps de consulter sa fille Fatima. Par ce geste, le prophète a montré qu'il est indispensable que la jeune fille donne son accord, puisque c'est elle qui va vivre avec son mari, c'est elle qui sera sa conjointe et elle doit accepter son mari. Retenons que marier la fille sans son consentement est une grave atteinte à sa dignité, un mépris pour elle et un ébranlement de sa personnalité. Le prophète la consulta et lui donna toutes les informations sur Ali. Et n'oublions pas de citer que Dieu exalté, le Très-Haut, sauvegarda la dignité de Fatima en la mariant dans le quatrième ciel, fête célébrée par les anges avant même que le mariage se fasse sur terre. Une fois mariée, un mariage simple où Fatima Tazara reçut une robe cousue offerte par le prophète pour son mariage. Elle avait une robe rapiécée. Voilà qu'un mendiant arrive devant sa porte et dit « Je demande à la maison de la prophétie un vêtement digne. » Fatima s'apprêta à lui donner sa robe vieille, se rappelant le verset qui dit « Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse, que vous offrez ce que vous chérissez, ce que vous aimez. Donnez toujours ce que vous aimez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. » Sourate Imran, verset 92. Alors Fatima prit la robe offerte par le prophète pour son mariage et l'offrit à la mendiante. Lorsque la date du mariage arriva, il y a des hadiths qui disent que l'ange Gabriel descendit et dit au prophète « Ô Muhammad, Allah t'adresse ses salutations et m'ordonne d'en faire autant pour Fatima. » Il lui envoie un vêtement du paradis comme cadeau. Regardez la générosité de Fatima qui ne se souciait pas de son apparence physique pour son mariage. Elle était d'une grande générosité, comme son père, le prophète, comme sa mère, Khadija, comme son mari, Ali, comme Dieu le voulait. Fatima a connu les difficultés au moment de sa naissance et là, elle se trouvait dans la maison de Ali, son mari, une maison qui n'avait pas grand-chose, à peine le strict minimum dans cette maison, une maison qui n'avait comme meubles et comme décoration que l'amour et la pauvreté. Les difficultés dans la vie de couple de Fatima étaient encore plus grandes, mais Fatima assumait ce même type de responsabilité, même envers son mari. D'après les rapports, Fatima manifestait son amour à l'égard de l'imam Ali, même devant son père, le prophète, et le considérait comme meilleur mari. Devant les gens, elle l'a appelé son mari, l'imam Ali, Abul Hassan, le père de Hassan. À la maison, elle s'embellissait devant son mari et lui parlait toujours gentiment. Pendant les premières années de leur vie de couple, parfois, ils n'avaient pas assez d'argent pour la nourriture et ils dormaient alors qu'ils avaient faim. Quand même Fatima
ne se plaignait pas auprès de son mari et essayait de travailler dans la maison pour aider financièrement son mari. Fatimata Zahra avait toujours envie de faire elle-même les affaires qu'il y avait dans la maison et son mari. L'imam allait travailler dehors. Il est fort regrettable de constater que des millions de jeunes hommes et de jeunes filles s'imaginent et pensent que le bonheur conjugal s'obtient par la fortune. Ils pensent du même coup qu'une vie simple et modeste est indubitablement signe de malheur et de privation. En conséquence, ils restent sans mariage, attendant qu'un mariage utopique frappe à leur porte. La maison de Fatimata Zahra a vécu entourée d'une grande sainteté, d'une grande spiritualité, d'une grande lumière. C'était une maison bâtie sur des bases de respect, de considération, de vénération et de majesté. Nous connaissons la vraie valeur de cette maison que ceux qui connaissaient la vraie valeur de Fatima, son père, son mari et ses enfants. Sa vie avec son mari embellissait et resplendissait de plus en plus à mesure que le temps s'écoulait. Elle aidait son mari dans les choses de la religion et dans celles de l'autre monde, s'harmonisant parfaitement avec lui dans ses directions religieuses et lui portant son aide dans ses efforts et son jihad. Fatimata Zahra mit au monde Al-Hassan, Al-Hussein, Saïda Zainab, Kulsoum et Mohsen, qu'elle perdut avant terme quand elle subit des injustices après la mort du prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille. Dans Biharul Anwar, l'imam Ali, paix sur lui, dit « Par Allah, je ne l'ai point fâchée, ni contrainte à quoi que ce soit, jusqu'au jour où Dieu l'a rappelée à elle, à lui. Elle ne m'a jamais fâchée non plus, elle ne m'a jamais désobéi. Lorsque je la regardais, tous les malheurs et les tristesses se dissipaient devant mes yeux. Le prophète de Dieu aimait tellement ses petits-enfants, Hassan, Hussein, Zainab, Kulsoum. On imagine bien que ses enfants ont eu la meilleure éducation, éducation parfaite, avec un grand-père comme le prophète, un père comme l'imam Ali, une mère comme Fatima. Un jour, Hassan et Hussein sont tombés malades. Ils étaient tout petits. Le prophète leur rendit visite avec quelques personnes. Celles-ci dirent « Oh père de Hassan, si tu faisais un vœu pour que tes garçons guérissent. » L'imam Ali et Fatima et Fidda, la servante, firent le vœu que si Hassan et Hussein guérissaient, ils feraient un jeûne de 3 jours. Les malades guérirent et les jeûneurs concrétisèrent leurs promesses. Comme il n'y avait rien à manger à la maison, l'imam Ali emprunta chez le juif Khaybarit 3 mesures d'orge de blé. Fatimata Zahra moulut 1 mesure et prépara 5 pains. Au moment de manger, un pauvre se présenta à leur porte et dit « Paix sur vous, gens de la maison de Mohammed. Je suis un pauvre, donnez-moi à manger, que Dieu vous nourrisse des tables du paradis. » Ils lui donnèrent leur pain et ils se contentèrent de boire de l'eau. Et le lendemain matin, ils jeûnèrent. Au moment du couper du jeûne, après avoir jeûné 2 jours consécutifs, un orphelin se présenta à leur porte. Ils firent l'aumône comme la veille. Le 3e jour de jeûne, ce fut au tour d'un prisonnier libéré de se présenter devant leur porte. Il eut aussi le repas des jeûneurs. Le lendemain matin, Ali prit ses enfants chez le prophète. Lorsqu'il les vit trembler, il leur dit « Comme il est pénible de vous voir dans cet état,
Puis le prophète retourna avec eux chez Fatima, et là l'ange Gabriel descendit et félicita le prophète pour les gens de sa famille, pour leur générosité envers les démunis, les pauvres. Fatima travaillait beaucoup. Elle travaillait dans la maison, entre puiser de l'eau, moudre le blé, nettoyer, balayer, laver, etc. Sa santé même en fut altérée. Un jour, l'imam Ali l'a vue et lui dit d'aller voir son père, qu'il la soulagerait en lui donnant un serviteur. Elle alla puis face à son père, ne put en parler, elle était gênée. Puis finalement, le prophète finit par savoir sa demande et là il lui dit « Voici une chose plus bénéfique qu'un serviteur et meilleure que le monde entier et ce qu'il contient. » Après chaque prière, dit 34 « Allahu Akbar » 33 « Alhamdulillah » 33 « Subhanallah » puis clôture en disant « La ilaha illallah » Fatima dit « Je suis satisfaite de Dieu et de son prophète. » Elle le répéta 3 fois. C'est pour ça que on l'appelle le tasbih de Zahra, le tasbih de Fatima Zahra. Lorsque le messager rentrait de voyage, il embrassait Fatima sur le cou en disant « Je sens en elle l'odeur du paradis. » Un jour, il la fit s'asseoir à sa droite ou à sa gauche, et il lui fit une confidence. Elle pleura à chaudes larmes, puis il lui fit une autre confidence. Elle en dit, elle était joyeuse. La première confidence, il allait pas tarder à mourir. Et la deuxième confidence, et qu'elle n'allait pas tarder à le rejoindre. Qu'elle allait être la dame des femmes des mondes, et non la dame des femmes de cette communauté, qu'elle allait être la dame des chrétiens. Il n'est donc pas étonnant que le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, inculque à sa fille les meilleures actions, la guide vers la meilleure éthique et l'inonde des meilleures et des plus hautes connaissances. Fatima assimilait toutes ces sciences divines de cette source intarissable. Elle suçait le nectar de la vérité grâce à la révélation et l'inspiration. Parmi les aspects primordiaux qui retenaient toute l'attention de Fatima et qu'elle plaçait parmi ses premières priorités, la conservation de la dignité et de l'honneur de la femme par le biais du hijab, le voile. Elle savait pertinemment que des milliers de scandales, de crimes et de drames arriveront suite au dévoilement de la femme, à la perte de toute retenue, à l'immoralité et à la mixité, ce qu'on appelle aujourd'hui liberté et modernisme. Si la femme musulmane croyait encore au hijab, au voile, à la pudeur, à la chasteté, le jour où elle croyait encore au licite ou à l'illicite, le jour où elle refusait catégoriquement qu'un étranger la regarde, qu'en est-il maintenant qu'elle expose son corps, son visage et sa tête au regard des milliers d'hommes étrangers de toute race, de toute religion et de tout désir? Lorsque les principes sont bafoués, alors la femme musulmane s'est vue déchoir lamentablement. D'après un hadith de l'imam Ali, paix sur lui, un jour, un aveugle vint voir la fille du messager, paix et salut sur lui et sur sa famille. Elle lui parla, Fatima Zahra, derrière une porte. Le prophète demanda alors, pourquoi lui as-tu parlé derrière cette porte? Puisqu'il ne peut te voir, il est aveugle. Fatima Zahra dit, ô messager de Dieu, si lui, il ne me voit pas, moi je le vois. De plus, il sent le parfum. Le messager de Dieu dit, j'atteste que tu es une partie de moi. Puis vint un jour, lorsque le messager de Dieu
paix et salut sur lui et sur sa famille, était sur son lit de mort. Fatima se mit à pleurer. Il lui dit, « Ô ma fille, ô fille de Mohammed, réjouis-toi, sois contente, car tu seras la première des gens de la maison à me rejoindre. » Le messager appela auprès de lui l'imam Ali, Al-Hassan, Al-Hussein, Fatima Tazara. Eux tous réunis l'écoutaient dans ses derniers instants. Il prit la main de Fatima et celle de Ali, puis il lui dit, « Ô père de Hassan, le dépôt de Dieu et de celui de Mohammed sont en toi. Prends-en bien soin et je sais que tu le feras. Ô Ali, par Dieu, Fatima est la grande maîtresse des femmes du paradis, de la première à la dernière. Ô Ali, fais ce que te demande Fatima, car je lui ai ordonné des choses que m'a ordonné de faire Gabriel. Sache, Ali, que je suis satisfait de la personne dont Fatima, ma fille, est satisfaite, ainsi que mon Seigneur et ses anges. Ô Ali, malheur à celui ou celle qui l'opprime, malheur à celui qui la prive de son droit, malheur à celui qui viole sa sainteté. » Puis le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, s'éteignit. Il ne passa qu'un bref moment après cela, l'imam Ali se leva et dit, « Je vous présente toutes mes condoléances. Notre prophète a rejoint son Seigneur. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. » Des cris et des pleurs se firent entendre dans toute la maison. Ce fut là un grand jour dans l'histoire de l'humanité, un très grand choc pour les musulmans. L'imam Ali, paix sur lui, se leva et donna le bain mortuaire au prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, l'embauma et le couvrit dans son linceul. Ali et Fatima prièrent sur lui. Zahra ne cessa pas de pleurer, même après l'enterrement de son auguste père. L'imam Bakir dit, paix sur lui, on n'a jamais vu Fatima souriante et heureuse depuis la mort de son père, le prophète, jusqu'après sa propre mort elle-même. Fatima Tazara resta inconsolable après la mort de son père. Il nous apparaît clairement que le malheur du décès du prophète avait ôté à sa fille toute quiétude, toute tranquillité et toute stabilité, car Fatima connaît parfaitement l'ampleur du malheur. Puis rien n'était pareil. Les ennemis commençaient à se faire ressentir. Fatima, exposée aux tempêtes, il n'est pénible de ne pouvoir parler en toute liberté sur les événements douloureux, les situations difficiles, les malheurs qui ont déferlé sur la famille du prophète. Fatima porta en elle la tristesse et du désespoir dont seul Dieu connaît l'immensité. Elle continuait à pleurer avec tant de peine que les Médinois en souffrirent. Elle allait parmi les tombes et le pleurait autant que le temps le lui permettait. Les récits racontent que le commandeur des croyants, l'imam Ali, lui fit bâtir une maison où elle pouvait pleurer son père et qui fut baptisée demeure des douleurs. Elle resta ainsi jusqu'à ce qu'elle le rejoignit 6 mois plus tard. Fatima également ne s'attendait pas, en voyant de ses propres yeux des musulmans attaquer sa maison, voulant brûler la maison. Enceinte de 6 mois, elle se trouva devant, derrière la porte, quand ils ont attaqué sa maison. Elle était alors comprimée suite à la violence de l'attaque. Elle sentit une douleur puisqu'elle était enceinte, lui arrachant un terrible cri. Son enfant venait de mourir dans son ventre. Pendant ce temps, on avait attaché les mains de l'imam Ali et voulait le faire sortir de force de sa maison. Tout ça sous les yeux des enfants.
Al-Hassan, Al-Hussein, Zainab, Umm Kulthoum. Fatima fut même frappée pendant qu'elle essayait de défendre son mari. L'imam Sadek, paix sur lui, dit « Fatima perdue son bébé. Mohsen, elle fit une fausse couche à cause du coup de fourré porté par Kunfoud. Fatima en tomba gravement malade ensuite. N'oublions pas surtout de souligner que Fatima priait énormément pour les voisins, pour la communauté musulmane, jusqu'à ce qu'un jour même un de ses enfants la surprit en se réveillant en pleine nuit, en entendant les invocations, puis après étonné lui dit « Ô mère, j'ai entendu tes prières, tu as prié pour tout le monde, sauf pour tes enfants et toi. » Elle lui répondit « D'abord la prière pour les voisins, la prière pour les autres, après la prière pour nous. » À la mort du prophète, Fatima Zahra rencontra des difficultés de la part du pouvoir qui aurait dû être au-dessus de cela. Il fit même base sur les terres de Fadak que le prophète avait fait don à sa fille après le traité de paix conclu entre lui et les autochtones lors de la prise de la citadelle de Khaïba. Fatima essaya de toutes ses forces de reprendre ses terres. De vives discussions s'élevèrent entre elle et le calife à la mosquée, au vu et au su de tous les musulmans. Fatima montra son droit sur ces terres par les voies du don, de l'héritage et des actions des proches parents. Mais le pouvoir lui dénia tout droit. Elle mourut en martyr, souffrant de ce qui lui arriva après la mort de son père, des mauvais traitements qu'elle avait subis et de l'interdiction de profiter de son droit. Elle, par qui Dieu est satisfait, si elle est satisfaite, et est courroucée, si elle est courroucée, comme mentionné dans le hadith. Dans la mosquée du prophète, Fatima prononça son célèbre discours dans lequel elle apporta les preuves de son droit. Elle se tourna ensuite vers la tombe de son père et déclama des vers d'une grande amertume dans lesquels, tout en s'adressant à son père, elle fustigea les hommes qui ont usurpé ses droits et qui ont montré toute leur haine envers sa noble famille. Fatima vécut les derniers mois après la mort de son père dans de continuelles tristesses et afflictions. Tristesse d'avoir perdu son père d'un côté, d'un autre tristesse sur l'état des musulmans qui ont abandonné sa famille et qui ont violé la sainteté de ses membres. Elle recommanda à Ali de taire sur sa maladie et de n'en parler à personne. Elle ordonna que personne prennent soin d'elle, mis à part l'imam Ali, qui se faisait aider secrètement par Asma, fille d'Oumaïs. La nouvelle de sa maladie se répandit à Médine. Fatima ne souffrait pas d'une grande maladie, mais les malheurs et les injustices qui se sont abattus sur elle lui ont ôté la santé et le bien-être. Ses pleurs incessants pour la perte de son auguste père, les tyrannies dont elle a fait l'objet, les prises de position déshonorantes et dures de la part de la communauté musulmane envers elle et sa famille, son mari, ses enfants, les coups qu'elle a reçus, la perte de l'enfant brutal, tous ces malheurs et toutes ces injustices ont contribué largement à la détérioration de sa santé. Fatima sentait sa mort s'approcher. Fatima se réveilla quelque peu et se prépara pour le grand départ qui est la mort. Elle aurait entendu son père le véridique dire « Celui qui m'a vu en rêve me voit en réalité. » Fatima, malade, se dirigea toute tremblante en s'adossant au mur vers l'endroit où se trouva l'eau. Elle se mit à laver à la main le linge de ses enfants, puis elle appela ses enfants et se mit à les laver avec de l'eau et de l'argile, car elle n'avait que cela. Arrêtons-nous un instant.
pleurant pour cette vénérable dame. La faim qui approche et qui touche les têtes et les corps de ses enfants pour la dernière fois. Peut-être elle était en train de pleurer silencieusement à ce moment précis. L'imam Ali entra chez lui et trouva sa chère épouse qui avait quitté son lit et s'occupait de ses tâches ménagères. Le noble cœur de l'imam s'attendrit à la vue de Fatima et ses travaux fatigants. Il lui demanda la raison de cela. Fatima répondit, « C'est le dernier jour de ma vie. Je me suis levée pour laver mes enfants et leur linge, car demain, ils seront sans leur mère. » L'imam Ali lui demanda, « Comment savait-elle que c'était son dernier jour de vie ?» Elle lui raconta son rêve sur le prophète. Fatima lui fit ses dernières demandes. Elle lui dit, « Oh mon cousin, je vois ma mort approcher heure après heure. Je me vois rejoindre mon père. Je veux t'entretenir de choses qui me tiennent à cœur. » Il s'assied près de sa femme. Après avoir fait sortir tout le monde, elle lui dit, « Oh mon cousin, je n'ai jamais trahi ni menti. Je n'ai jamais désobéi depuis notre mariage. » Ali lui dit, « Oh non, tu connais très bien, tu es là. Tu connais très bien Dieu, tu es la meilleure, la plus pieuse, la plus honorable créature. Tu as trop peur de Dieu pour que je puisse te réprimander. La séparation d'avec toi me peine beaucoup, mais c'est une chose inévitable. Par Dieu, tu renouvelles pour moi le malheur du messager de Dieu. Ta mort est un grand malheur. Nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous revenons. » Ali lui dit, « Recommande ce que tu veux. » Ils se mirent à pleurer tous les deux et se réconfortèrent. Fatima lui dit, « Que Dieu te récompense de la meilleure manière. Oh mon cousin, je te recommande en premier lieu d'épouser Fatima Umm al-Banin, car elle sera une mère pour mes enfants. Les hommes ne peuvent vivre sans femme. Je te recommande de ne laisser assister à mon enterrement aucun des tyrans qui m'ont usurpé, opprimé, car ils sont mes ennemis et ceux du prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille. Ne les laisse pas prier sur moi, ni aucun de ceux qui ont été d'accord avec eux. Fatima, elle demanda à Ali, « Enterre-moi de nuit lorsque tout le monde dormira. Tu devras aussi me rendre visite régulièrement afin de réciter le Coran. » L'heure fatidique arriva. Fatima se leva, se lava, mit des vêtements propres, mit le reste du baume de son père. Elle se remit dans son lit face à la direction de la Mecque. On raconta qu'elle envoya les deux petites filles Zainab et Umm Kulthum chez ses tantes afin qu'elles n'assistent pas à sa mort. Certains hadiths relatent aussi qu'à cet instant, l'imam Ali, Hassan et Al-Hussein étaient absents de la maison pour des raisons majeures. Puis là, l'heure arriva. Le voile tomba et Fatima regarda fixement, puis salut. Gabriel, le messager, et dit, « Oh Allah, dont ta satisfaction et ta proximité, oh Dieu, dans ta maison, la maison de la paix. » Au moment où son âme commençait et quitta son corps, ses enfants et son mari arrivèrent. Hassan et Hussein, voyant que leur mère avait quitté ce monde, l'embrassèrent, pleurèrent. Ses enfants l'entourèrent et pleurèrent leur mère qu'ils ont perdue si jeune. « Oh mère, oh fille du messager de Dieu !» Quand la ville apprit la nouvelle, les habitants se mirent à pleurer. L'imam Ali ordonna à Abu Dhar de leur dire, « Oh gens, partez !» car l'enterrement de la fille du messager est reporté.
Les gens partirent, se séparèrent, pensant qu'elle serait enterrée le lendemain matin. Dans la nuit même, il n'y avait plus de bruit. Les bruits s'estompèrent et les gens dormirent. L'imam Ali se leva et se prépara pour exécuter le testament de Fatima. Il prit le frêle corps affaibli par les malheurs. Il prit le corps pur pour lui faire passer le bain mortuaire. Les pratiques de la sunna islamique. Le corps de Fatima a été purifié par Dieu totalement. L'imam Ali exécuta le bain mortuaire à Fatima pour des raisons qui sont exécutées ces dernières recommandations. Prouver sa pureté et son infaillibilité. Il est interdit à des mains qui ont fauté de laver un infaillible. Comme l'a dit Imam Sadiq, paix sur lui, un infaillible ne peut être lavé que par un infaillible. Fatima, son but à travers son testament est de prouver son infaillibilité en toute occasion, à tout le monde. Et c'est pour ça que son mari, l'infaillible, l'a lavé. Le noble cœur du père, du mari, se serra pour ses enfants, dont les cœurs étaient brisés par la lourde perte qu'ils venaient de subir. Entrecoupés par les pleurs, l'imam Ali dit « Ô Hassan, ô Hussein, ô Zainab, ô Umm Kulthoum, venez profiter encore de votre mère. La séparation et les retrouvailles se feront au paradis. » Ils manifestèrent leur chagrin, pleurèrent. C'était éprouvant et fort attristant. L'imam Ali fermant le linceul, ils accompagnèrent le corps dans sa dernière demeure. Il fit la prière sur Fatima, comme elle avait été indignée et irritée contre les usurpateurs qui l'ont opprimée. Cette indignation s'est poursuivie jusqu'après sa mort et jusqu'au jour de la résurrection. Elle voulait et a préféré que sa tombe reste inconnue depuis le jour de son enterrement jusqu'au jour du jugement dernier. Il y a des sources qui disent qu'elle est morte en martyr le 3 du mois béni de Ramadan. Nous avons la date aussi de 13 Rabi al-Thani et nous avons aussi la date de 20 Jumad al-Thani. Mais l'avis le plus connu opte pour le 3 Jumad al-Thani. Nous n'avons pas de sources qui nous prouvent où elle a été enterrée. Il y a des sources qui disent Médine, d'autres sources disent Baqi. Que la paix soit sur toi, ô fille du messager de Dieu, ô le meilleur des prophètes, paix et salut sur lui et sur sa famille. Que la paix soit sur toi, ô Fatima Tazahra. Que la paix soit sur toi, ô la plus noble et la maîtresse des femmes des mondes. Que la paix soit sur ton père, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.